Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est assez tôt puisqu'il doit être 7h45, quelque chose comme ça. En tout cas pas loin, 7h50. Je suis réveillée un petit peu plus tôt tout simplement parce que mes cours sont décalés. Je prends maintenant à 9h. Mon école a fait ça pour la canicule parce qu'il fait très chaud. Du coup en fait on a les cours décalés pour finir plus tôt en fait, parce qu'il fait vraiment horriblement chaud. Déjà là j'ai dormi toute la nuit avec la fenêtre ouverte et il fait déjà horriblement chaud. Je vais tout fermer là maintenant. C'est une catastrophe, il fait très chaud, c'est la canicule, c'est chouette. On est mercredi, sinon si vous me suivez sur Insta, vous savez que hier c'était la merde. Ma machine à laver m'a lâché. Le problème c'est que j'étais en train de faire une machine et qu'elle s'est coupée en plein milieu sans passer à l'essorage mes vêtements. Donc mes vêtements étaient trempés. Donc j'ai tout ici et tout ici, tous mes vêtements qui essayent de sécher. Malheureusement c'est un peu compliqué. Ceux qui sont vers la fenêtre, en fait le soleil ce matin s'est levé et les a pas mal séchés. Ils sont plus ou moins secs, donc ça c'est chouette. Par contre ceux qui sont ici, ils sont encore très mouillés. Donc je vais les laisser encore tout aujourd'hui. Et si ce soir ils sont toujours pas secs, et bien direction la laverie je pense, enfin pour les essorer, parce que ça va être une catastrophe et ça va sentir vraiment pas bon. Donc bref, je vais fermer vite fait mes fenêtres. Je vais tout fermer, donc ça sera un peu noir comme plutôt. Mais là il va faire trop chaud, sinon déjà là le soleil rentre et il fait déjà chaud. Donc je voulais aller me laver parce que bah, vu qu'il fait très chaud la nuit, je transpire. Sauf que j'avais oublié que bah, dans mes péripéties, j'ai mis plein de vêtements aussi vers la douche qui goûtait le plus. Comme ce jean que j'ai essoré 36 fois et qui goûtait tout le temps. Et là, il est encore trempé de toute façon. Donc, je sais pas comment... Ah oui, ce pull aussi qui était complètement... Oh, il a bien séché d'ailleurs le grand. C'était celui qui était le plus mouillé, j'ai l'impression. Ah, yeah, c'est tout dans les manches. Du coup, je sais pas comment je me lave. Bon, ben, on va trouver une solution. Hein. Bon, je suis dégoûtée parce que tout simplement, j'ai fait la machine. Je me souvenais plus pourquoi, mais en fait, maintenant, je m'en souviens. C'était pour laver mes shorts parce que sur Paris, j'ai pas tous mes vêtements d'été. En fait, j'ai pas encore fait le changement, donc faut que je le fasse. Parce que il y a encore une semaine ou deux, il faisait encore pas très beau ici. Donc j'ai que quelques shorts et je les avais mis à laver. Sauf qu'ils sont pas encore secs, donc je suis obligée de me trimballer un jean. Je vais mourir. Mais bon, ça va, j'ai cours que ce matin. J'ai pas cours cet après-midi. Et je finis à midi parce que comme je vous ai dit, oui, normalement je fais 10h-13h. Mais là, voilà, ils ont décalé. On fait 9h-12h, enfin 9h-midi. Pour justement qu'on puisse rentrer plus tôt et qu'il fasse un petit peu moins chaud. Donc c'est vraiment chouette, mais cet après-midi il faut que j'aille encore à la Défense parce qu'il faut que je me fasse rembourser un truc que j'ai toujours pas fait. Et je me demande d'ailleurs si ça fait pas trop longtemps, si le délai n'est pas dépassé pour me faire rembourser. Sinon au niveau de ma face, je vais pas du tout me maquiller parce que clairement il fait trop chaud. De toute façon je vais suer, ça va être dégueulasse. Donc ma peau on la laisse comme ça, je vais juste me brosser les cheveux vite fait histoire de me faire une queue de cheval. Mettre un peu de parfum et on y va, voilà c'est... tout. Mais là j'ai déjà chaud ici, donc je vais clairement succomber dehors, c'est pas possible hein. Oh là là. Je vais prendre mon cachet pour l'allergie quand même, on sait jamais. Remplir ma bouteille. Mon téléphone mobile. Et j'y vais, à plus. Bon c'est un petit peu la merde, mon RER était annulé, j'ai dû prendre des métros et tout, et du coup voilà, je risque d'être un petit peu en retard. En plus de ça, je me suis rendu compte bien trop tard que j'avais oublié mon ordinateur, donc je vais clairement arriver en cours en mode touriste. J'en pousse avec les lunettes et tout, j'ai oublié mon ordi. Je pense que ça va pas trop poser de problème aujourd'hui, mais même ça fait pas trop. Et aussi je viens de remarquer que en fait aujourd'hui c'est les soldes. Moi qui voulais aller quelques minutes à la Défense rendre juste un petit article pour me faire rembourser, bah je crois que ça va être mort. Et surtout que je viens de regarder la date, je crois que je l'ai acheté il y a plus d'un mois. Je savais bien que ça allait arriver, que j'allais jamais me faire rembourser. Je suis vraiment une catastrophe, c'est pas grave. Là je vais me dépêcher pour aller en cours, pour être un petit peu à l'heure quand même. Et je vous reprends tout à l'heure du coup. Je transpire de ouf, mais je viens de rentrer.
Alors au niveau de mon séchage, tout ce qui était l'étendoir qui était sous la fenêtre, bah, ça a bien séché. Donc j'ai pu dépendre et par contre tout ce qui était dans la salle de bain, ça n'a pas trop séché. Donc j'ai remis sur l'étendoir devant la fenêtre en espérant que ça sèche un petit peu. Surtout que ça commence à sentir mauvais, enfin, ça, vu que c'est tout petit, ça sent un peu l'humidité. J'aime pas du tout du tout du tout. Bref, sinon je suis passée en course, acheter 2-3 trucs. J'ai acheté une baguette de pain, des nectarines et une petite pastèque, ça coûtait 2 euros. Et c'est la part comme ça de pastèque. J'avais trop envie de pastèque donc ça tombe bien, parce qu'il fait vraiment très chaud, je vais mettre direct au frais. Et sinon j'ai reçu un colis, je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est un colis de la marque Saforel. Je sais pas si vous connaissez, c'est des gels douche. Ils sont hyper hyper bien pour les zones sensibles, donc ça soit les parties intimes, mais aussi par exemple si vous avez des irritations, de l'eczéma, par exemple pour les boutons de varicelle. Moi je sais que j'en mets pour le coup de soleil, quand j'ai du coup de soleil. C'est vraiment un gel douche qui est hyper bien, qui n'agresse pas du tout la peau, qui est hyper, je crois que c'est parce qu'il y a un pH neutre que ça permet vraiment de régulariser tout ça. Autre chouette, ma pochette lingerie pour mettre ces petits sous-vêtements je pense. Et il y a donc 2 soins à l'avant fraîcheur, toilette intime et corporelle. Donc c'est cool, et pourquoi j'en ai reçu 2, c'est les mêmes. J'en avais déjà ici, mais le grand format d'ailleurs. Donc c'est chouette, je vais collaborer avec eux sur Instagram. Donc je suis très contente puisque ce sont des produits que j'utilise. J'utilisais pas cette gamme, le fraîcheur, de toute façon c'est un nouveau. J'utilisais le basique et je pense que vous connaissez déjà cette marque en plus, parce qu'elle est assez connue. Ma petite soeur aussi l'utilisait, parce que c'est bien aussi pour les bébés, enfin pour les enfants. Donc je sais qu'elle utilisait aussi ce soin à l'avant. Donc trop chouette, voilà. Sur ce, il est assez tôt, hein, il doit être à peine midi je pense. On est sorti un peu plus tôt que prévu, une heure avant, puisque tout le monde n'était pas en cours. Et on avait terminé avant midi quoi. Donc on nous a libéré plus tôt. Je vais me faire à manger, je vais manger quelque chose de très vite fait, mais j'ai trop envie de manger ça. Je vais manger des bâtonnets de concombre et des bâtonnets de carottes, voilà, sûrement avec un petit peu de jambon et de pain, enfin voilà, une petite salade tranquille parce qu'il fait très très chaud. Ouais, je vais regarder du coup chez Jennifer, qu'est-ce, le 30, ouf, le 30, ok. Donc faut vraiment que j'y aille aujourd'hui finalement échanger ce short. Vous avez dû suivre, je l'ai pris en 2 tailles, j'avais pris M et S, et le M me va, le S me va pas, et en plus ça il était taché, enfin bref, une catastrophe. Donc lui il faut que j'aille le ramener, mais je vais devoir vaincre toute cette foule en folie pour les soldes. J'hésite à aller me racheter quand même un short en jean et 2-3 petits trucs pour Paris, parce que je crève de chaud et je suis pas bien sûre que mes shorts auront séché avant demain. Bon, il fait une chaleur à en crever dans mon appart, c'est horrible, pourtant tout est fermé, il y a un petit truc d'air frais, mais je n'en peux plus. Je me suis accordé une petite sieste, donc là il est 16h, enfin une bonne grosse sieste. À la base j'avais mis un réveil à 15h pour partir et revenir après ici pour le goûter. Finalement j'étais trop fatiguée, donc voilà, j'ai fait une sieste. Je vais prendre de la pastèque avant de partir du coup à la Défense, échanger mon truc quoi, et peut-être trouver un petit short pour demain parce que je peu plus de la chaleur. Bon, je suis tellement au bout de ma vie et que j'ai plus de trucs qui vont ensemble parce que tout est mouillé. Bref, j'ai retrouvé ce short dans mon armoire. Donc ça c'est le short que j'ai pris en taille M et je dois rendre le S du coup. Et vu que j'avais plus de haut, j'ai plus de haut manche courte à part mon haut marinière, mais ça irait pas du tout avec mon short. Donc j'ai mis ma brassière aussi en appart blanche et en fait je m'en fiche, j'ai juste trop chaud là, j'en peux juste plus. Du coup je vais y aller, j'ai bien mangé ma pastèque, ça m'a fait trop du bien, c'était si frais et tout. Trop bon. Donc je suis rentrée, si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilateur parce que je meurs de chaud. Donc là il est assez tard entre guillemets puisqu'il est 19h. J'avais pas prévu pour rester aussi longtemps, mais je me suis fait piéger par les soldes. Je suis allée chez Jennifer à la base juste pour rendre du coup un article. Finalement j'en ai profité pour prendre quelques shorts et robes pour Paris,
pour la chaleur parce qu'il fait très très chaud. J'ai voulu trouver des petites sandales vraiment toutes simples, mais soit c'était trop cher donc je voulais pas payer 40 balles pour des petites sandales juste toutes simples, voilà. Soit je trouvais, enfin c'était trop bariolé, je voulais juste des sandales simples parce que là j'ai que des baskets. Donc dans les prochains jours je vais douiller, enfin je vais avoir très très chaud. Donc j'ai acheté 4 trucs. Bon, j'avais plus de batterie donc j'ai fait recharger et je reviens pour vous raconter la suite. Donc oui, je disais que je n'ai pas essayé tout simplement parce que les cabines d'essayage étaient fermées en période de sol. Et de toute façon, en fait, je n'essaye jamais mes vêtements. Ça me saoule, surtout là, quand il fait 40 degrés, j'ai tout sauf envie de me déshabiller, me rhabiller, enfin bref. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Tout était en solde, je n'ai pas craqué sur des choses non soldées et j'ai tout pris chez Jennifer. Donc déjà, un petit short en jean comme ça qui était à 9,99€, qui est très chouette. Je l'ai pris en taille 36, celui-ci, il me va à peine grand à la taille puisque c'est un taille haute, mais c'est pas très grave, je vais pas le ramener, au moins je suis à l'aise et voilà, c'est cool. J'en ai pris un autre à 12,99€ blanc, qui est lui aussi en taille 36, mais celui-ci me va un peu juste à la taille parce que tout simplement ça me sert un petit peu puisqu'il est moins taille haute. Donc ouais, je vais le prendre en 38, faut que je le prenne en taille au-dessus du coup. Et ensuite j'ai pris deux robes qui sont super chouettes, une robe comme ça toute fleurie que j'adore, une coupe très fluide avec une petite ouverture ici, un petit nœud très très joli qui coûtait 15,99€ en solde, donc rouge, très belle. Et une autre vraiment dans mon style habituel, une robe comme ça, oups, qui est un petit peu blanche, beige, avec des petits boutons ici, une petite ceinture, elle était à 14,99€ si je dis pas de bêtises, voilà. J'ai pris les deux robes en S, celle-ci elle me va à peine grande, voilà. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué pour moi les tailles, puisque il y a des fois je mets du S, des fois du M, des fois du 38, des fois du 34, des fois du 36, je comprends pas trop. Ça dépend vraiment comment c'est taillé en fait, puisque j'ai une taille assez marquée, des hanches assez développées, donc il suffit que ça soit à peine plus haut, à peine plus bas et ça change tout. En soi je suis très contente, j'ai déjà tout essayé pendant que ça rechargeait, j'ai pas la foi de réessayer une deuxième fois. Mais voilà, c'est très joli, ben juste le short blanc, va falloir que j'aille le changer je pense parce que je suis pas très à l'aise dedans. Sinon je me suis sentie pas très bien, c'est vrai que j'ai couru un petit peu partout pour trouver des petites sandalettes comme je vous expliquais et je trouvais pas, il fallait que je me baisse, me relève avec la chaleur, le monde, je me suis sentie pas très très bien. Ce midi j'ai mangé des crudités, peut-être que j'ai pas assez mangé ou peut-être pas assez hydraté, je sais pas, mais je me suis sentie vraiment pas très bien. Il y a un moment que j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, dès que je me relevais j'avais la tête qui tournait pendant 5 minutes, j'étais obligée de me tenir et du coup je suis allée manger un petit bout, je suis allée manger une crêpe, petite excuse aussi pour m'avaler une grosse crêpe parce que j'adore ça, il peut faire 45 degrés, je mangerai encore des crêpes au Nutella. Donc j'ai pris une petite crêpe tranquillou et ça m'a fait trop rire parce que en fait c'était un petit truc vraiment tranquille à la défense et du coup c'était sur un plateau et une fois que j'ai terminé, bah normal, je veux débarrasser mon plateau donc je me lève etc, puis je trouve pas de poubelle, enfin de trucs, donc je dis au monsieur, je dis bah je vous le dépose où le plateau, puis il me dit faut aussi faire la vaisselle hein, et puis du coup j'ai rigolé, j'ai dit bah pas de soucis, je passe derrière le comptoir et tout, puis il a rigolé, il m'a dit oh c'est la première fois qu'on me demande où mettre le plateau, d'habitude les gens se posent pas la question. Bah moi je trouve ça hyper normal, enfin je sais pas, j'ai l'habitude en fait, enfin je mange, je vais débarrasser mon plateau quoi, ça me paraît logique. Et il m'a dit non mais normalement que ça se laissait sur les tables et que eux passaient derrière sans problème, mais du coup bah je voulais quand même donner le plateau, puis ça lui a fait peut-être gagner 2 minutes quoi. Bref, sur ce je vais me poser tranquille, j'ai très 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 chaud. Faut normalement que je monte mon vlog de vendredi, il fait tellement une chaleur pas possible que l'ordinateur c'est une catastrophe, ça chauffe la pièce et là déjà je sue à mort. Donc je verrai si je fais pas ça à l'école demain. Oh, j'en peux plus là. Bon, je mange vite fait un petit truc, c'est vraiment rien de fou, c'est mon reste d'hier, donc c'est des gnocchis à la sauce tomate maison. Faudrait peut-être que je vous fasse une petite recette, ma sauce tomate est trop bonne. C'est pas du tout compliqué, je fais cuire des tomates, des carottes, ensuite je mouline un petit peu avec des petits oignons et je rajoute après des petits morceaux parce que j'aime bien quand il y a des petits morceaux et j'adore cette sauce tomate maison, elle est vraiment très bonne. Bref, du coup j'ai fait ça avec des petits gnocchis, de la mozza et quelques bouts de jambon. Il y en a vraiment un tout petit peu, c'est vraiment une toute petite boîte. J'ai pas trop faim et voilà, je mangerai peut-être un petit peu plus tard si j'ai encore faim, genre de petites carottes à grignoter. Mais pour l'instant, je vais finir ça. Sinon, j'espère qu'il fait plus frais, donc je vais enlever mon rideau, ouvrir tout pour aérer. Hop, je vais mettre ça là. Ce rideau marche plus très bien, donc c'est un petit peu la cata. Oh, de l'air frais. Il y a bien un petit peu d'air frais, donc je vais laisser comme ça jusqu'à demain matin quand je vais me réveiller. Bon, mes jambes sont pas toutes nettes, du coup je vais me passer l'épilateur un petit coup. Voilà.
j'ai fini de monter le vlog de vendredi et pendant que j'y suis, je vais monter le début de ce vlog-ci. Enfin, monter ce que je peux. Là, il est bientôt 22h, je vais m'arrêter de travailler vers 23h. Et en même temps, j'ai pris une petite pastèque, un petit bout de pastèque que j'ai acheté ce midi. Elle est délicieuse. Bon, 23h07, j'ai tout fait, vaisselle, je me suis lavée, j'ai pris une douche froide, ça m'a fait trop du bien. Laver le visage, crème, tout, j'ai juste oublié de faire mon repas pour demain, je me lèverai un peu plus tôt pour le faire. Je vais manger des crudités, de façon carotte, concombre, comme d'hab, parce que là j'ai envie que de ça vu qu'il fait chaud. Voilà, et du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais plein de bisous.